Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Au sommaire ce soir, la grève du 5 décembre se prépare. C'est ce jeudi. Cheminots, avocats, profs ou encore personnel hospitalier, ils sont tous appelés à descendre dans la rue pour s'opposer à la réforme des retraites. À quoi faut-il s'attendre à Bordeaux? On fait le point avec le nouveau secrétaire général de la CGT en Gironde. Et puis vous retrouverez vos émissions sportives comme tous les lundis dans Top Rugby. On revient sur le match fou de l'UBB au Racing 92. L'Union qui conforte donc sa deuxième place au classement du Top 14, Mathieu Delzovo fait le point avec ses invités. Et Mickaël Yodra, ancien tennisman classé 21e au classement ATP, organise ce week-end le Mika Challenge, un tournoi d'exhibition qui réunira autour de lui des grands noms du tennis français comme Lucas Pouille, Nicolas Mahut ou encore Arnaud Clément. Mickaël Yodra qui sera l'invité de Bastien Loquet ce soir dans Sauce Sportif, mais d'abord les titres de votre journal. Ecobioz, c'est une plateforme régionale qui calcule la dépendance de notre économie à la biodiversité. Les chercheurs rendaient leurs conclusions aujourd'hui et ils tirent la sonnette d'alarme. Il faut faire encore plus pour la protéger. Les salariés de Parcube en grève, ils étaient mobilisés aujourd'hui à Mériadec et à Péberlan pour dénoncer une restructuration importante au sein de l'établissement qui gère une trentaine de parkings de la métropole. Il s'appelle Jean-Paul Jamme et c'est le nouvel archevêque de Bordeaux, jusqu'alors évêque de Nantes. Il était aujourd'hui en Gironde pour rencontrer sa nouvelle équipe. Portrait à découvrir dans ce journal. La météo, demain, c'est un temps globalement ensoleillé qui nous attend en Gironde. Pensez à sortir vos bonnets. Voilà, vous voyez les températures. Hein. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez donc à sortir vos écharpes et vos bonnets. Les températures vont être très fraîches le matin, parfois même en dessous de 0 degré par endroit et jusqu'à 8 degrés pour la maximale du jour. La COP25 s'est ouverte aujourd'hui à Madrid, un nouveau sommet crucial pour l'avenir de la planète. À Bordeaux, Ecobioz, un comité scientifique régional, a rendu public le résultat de ses 2 ans de travaux portés sur les enjeux économiques et socioculturels de la biodiversité. Conclusion du rapport, la biodiversité est indispensable pour le bon fonctionnement de nos activités économiques dans la région. Il faut passer à la vitesse supérieure pour la protéger. Mathilde Blaillot. Arbres, fleurs, animaux, la biodiversité aquitaine est indispensable à la bonne vie économique et culturelle de la région. C'est la conclusion des 150 scientifiques réunis au sein du comité Ecobioz, soutenu par le Conseil régional. La préservation de la biodiversité, c'est une priorité absolue et c'est surtout le socle de la plupart des productions de la région, donc de la pérennité de nos sociétés. Le lien entre économie et biodiversité est particulièrement mis en avant, alors que faune et flore peuvent permettre d'améliorer les rendements. Par exemple, pour ce qui est de la pollinisation, les abeilles, qu'elles soient domestiques ou sauvages, contribuent et peuvent augmenter les rendements des cultures de l'ordre de 40%, que ce soit en colza ou en tournesol, et donc les revenus des agriculteurs. Mais cette biodiversité est aujourd'hui menacée. Les systèmes économiques, les sociétés humaines de Nouvelle-Aquitaine dépendent très étroitement de la biodiversité, mais qu'en même temps, c'est là tout le paradoxe, cette même utilisation de la biodiversité à travers les pratiques la menace. L'intensification des pratiques agricoles, mais aussi sylvicoles, ou viticoles ou piscicoles, conduit à l'érosion de la biodiversité. L'urbanisation, l'utilisation des pesticides ou certaines espèces invasives sont aussi en cause dans le déclin de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine. Le rapport du comité scientifique propose alors une série de mesures pour la région. Les choses d'abord sont déjà commencées. On va doubler ou tripler les surfaces protégées dans le cadre des réserves. Sur le plan des gaz à effet de serre, on est en train de travailler avec les équipementiers pour remotoriser sur l'hydrogène et sur l'électrique les différents trains. Le comité Ecobioz devrait perdurer sous une autre forme pour notamment travailler avec les agriculteurs sur la transformation des modes de production. Dans l'actualité également, cette grève aujourd'hui à Parcube, l'établissement public qui gère 31 parcs de stationnement dans la métropole de Bordeaux, à l'appel d'une intersyndicale. Les grévistes ont filtré toute la journée les voitures aux entrées des parkings de Mériadec et Péberlan, provoquant quelques mécontentements et des embouteillages. Les syndicats dénoncent un plan de restructuration massive sans dialogue social écouté.
Avec la nouvelle direction qui est arrivée, nous pensions que nous allions pouvoir restructurer, parce qu'il était nécessaire de restructurer, il est vrai, mais c'est fait dans une violence tellement rapide que les services ne comprennent pas. Moi-même, j'ai appris que mon poste était supprimé, nous voir mon ordinateur. On n'a plus de dialogue. Le dialogue est cassé avec le chef d'entreprise qui, avec son nouveau staff, avance dans la restructuration. Et ils avancent, ils avancent, et ils avancent. On a beau dire là où on peut pas être d'accord, les points qu'on n'est pas d'accord et autres. Et on est, en tous les cas, pour nous, il semblerait qu'on n'ait pas écouté. Et ça, nous, c'est le ressenti de tous les salariés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont là. Et c'est vrai que cette restructuration met à mal l'ensemble des salariés. Il n'y a pas de dialogue social. On méprise les instances syndicales qui sont là quand même pour parler au nom des salariés. C'est vrai que c'est déstabilisant et à la fois c'est rageant de voir cette façon de faire. Voilà, la grève également qui se profile ce jeudi 5 décembre, une mobilisation nationale qui s'annonce importante, vous le savez, contre la réforme des retraites. On va d'ailleurs en parler dans un instant avec notre invité, ce sera le secrétaire général de la CGT en Gironde, Stéphane Aubé. Et puis le tunnel souterrain sous le futur pont Simone Veil est à nouveau fermé à la circulation. C'est la cinquième fois que cela arrive depuis son ouverture à la fin du mois d'août. En cause, le gabarit qui a encore été arraché par un camion suite à ces nombreux incidents. Bordeaux Métropole avait pourtant ajouté de nouveaux panneaux de signalisation mentionnant une hauteur maximale à 2,70 m. La durée de la fermeture est donc pour le moment indéterminée. La politique et la gestion financière de la ville et de la métropole épinglée par Vincent Feltès. Le candidat au municipal à Bordeaux parle de 4 dérapages et risques majeurs pour les contribuables bordelais et métropolitains. Le pont Simone Veil, les Girondins de Bordeaux, Parcube et surtout le Crédit Municipal, banque des pauvres. Elle a récemment défrayé la chronique avec des prêts de plusieurs millions d'euros à des personnes qui n'étaient pas dans le besoin. Vincent Feltès dénonce sinon l'incompétence de la majorité municipale et de son maire en particulier, du moins sa responsabilité, on l'écoute. Crédit Municipal, le capital est entièrement détenu par la municipalité. Le maire est de droit le président du Conseil d'orientation et de surveillance. Nicolas Florian siégeait au Conseil d'orientation et de surveillance comme adjoint aux finances depuis mars 2014. Il y a eu des alertes. Je vous invite à lire les rapports d'activité et notamment les rapports des commissaires aux comptes et rien n'a été fait. On ne parle pas d'incompétence, mais en tout cas, l'équipe municipale semble complètement dépassée sur le Crédit Municipal, sur le pont Simone Veil, sur les Girondins de Bordeaux. On arrive à la fin de la mandature. Quand on accumule les approximations juridiques et financières, ce n'est plus possible. Vous dites que ça s'est aggravé depuis 2014. Pourquoi ? Vous savez, on avait quelqu'un qui tenait la ville, qui s'appelait Alain Juppé, avec une vraie compétences, savoir-faire, on pouvait être d'accord ou pas avec lui. À partir de 2014, Alain Juppé est parti durant la campagne des primaires, ce qui l'a occupé à peu près 2 ans. Il est revenu à Bordeaux, il est parti au Conseil constitutionnel. Et clairement, l'équipe derrière lui ne semble pas avoir la capacité, l'expertise nécessaire pour gérer la ville de Bordeaux. Le candidat Vincent Feltès qui a fait des propositions pour mieux utiliser l'argent public, notamment confier à l'opposition la présidence des finances et celle de la commission d'appel d'offres. Il a également écrit au maire de Bordeaux pour inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil de décembre un débat sur le crédit municipal. Bordeaux a un nouvel archevêque. Il a été nommé le 14 novembre et il s'appelle Jean-Paul Jamme. Encore en fonction jusqu'en janvier comme évêque de Nantes, il est venu ce lundi faire sa première visite à Bordeaux pour rencontrer sa prochaine équipe rapprochée. Christophe Chavanneau. Premier pas à Bordeaux pour Mgr Jean-Paul Jamme qui prendra dans un mois ses nouvelles fonctions d'archevêque, succédant ainsi à Mgr Ricard en poste depuis 2001 et ayant pris sa retraite. À 67 ans, ce Breton de naissance quitte son ministère d'évêque de Nantes pour s'engager dans la continuité du travail tracé par son prédécesseur. L'objet de nos rencontres, c'est justement de favoriser et de créer l'amitié. C'est un des axes du diocèse de Bordeaux depuis le précédent synode qui avait été lancé par le cardinal Ricard, favoriser les fraternités. Eh bien, je voudrais m'inscrire dans cette perspective-là. Bâton de pèlerin en main, son premier travail sera d'aller à la rencontre de son diocèse pour écouter, réunir, rassembler à l'intérieur comme à l'extérieur.
d'abord avec nos frères et sœurs chrétiens de d'autres confessions, hein, de protestants, orthodoxes, anglicans, enfin voilà, et puis des personnes d'autres religions, venant de l'islam, venant du judaïsme. Hein, cette pratique du dialogue, hein, nous est assez habituelle aussi, hein, dans le diocèse de Nantes. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer en particulier et de décrire un certain nombre de documents, en particulier après ces terribles événements qui s'étaient déroulés à Paris, hein, pour signifier que, hein, une cause religieuse ne se défend pas par la violence, hein, qu'elle se défend par le dialogue, par l'échange, par la rencontre. Et donc tous ces échanges interreligieux, hein, je voudrais aussi les continuer après le beau travail qu'a fait le cardinal Ricard et ses collaborateurs. Un premier temps d'échange conclu sur une prière dans la chapelle de l'archevêché de Bordeaux. La messe d'installation de Mgr Jam aura lieu dimanche 26 janvier 2020. Le sport et Justine Dupont qui enchaîne les belles performances. La surfeuse de Lacanau est devenue ce week-end championne du monde de stand-up paddle lors des mondiaux 2019 disputés au Salvador. Un titre décroché 10 jours après qu'elle ait, vous savez, surfé la plus grosse vague de sa vie à Nazaré au Portugal avec un possible record du monde qui reste à homologuer. Écoutez sa réaction. Ça y est, j'ai enfin gagné un titre mondial. Punaise, oh, j'y croyais pas, c'est trop cool. Sacrée compète, c'était dur la finale, en plus il y avait du vent. Mais voilà, c'est fait, une équipe de fous derrière, là. Franchement ils ont tous été incroyables, supportés, l'équipe de France était juste dingue. Donc voilà, c'est comme les grosses vagues, c'est une histoire d'aventure et de le partager comme ça, c'est juste vraiment un goût particulier. Voilà, et puis on parle de rugby comme tous les lundis sur TV7. Bonsoir Mathieu Dalzovo. Bonsoir. Encore une belle victoire pour l'UBB après un match fou à l'extérieur. L'UBB brille toujours. Oui, l'Union Bordeaux-Bègles, on le savait, plutôt solide à domicile et on voulait voir un petit peu ce qu'avait l'UBB dans le ventre du côté du Racing, qui est une équipe quand même très solide de ce championnat, qui avait récupéré tous ses internationaux. Et vous le voyez avec les résultats de cette 10e journée, ben, l'Union Bordeaux-Bègles s'est imposée. Et avec la manière, Raphaël, 8 essais au total sur cette rencontre. 4 de chaque côté, hein, mais il y a quand même de beaux essais inscrits par l'Union Bordeaux-Bègles, donc qui, en plus de séduire, eh bien, arrive à imposer son jeu et à remporter des points à l'extérieur, ce qui n'était pas vraiment arrivé ces dernières saisons. C'est vrai que l'Union Bordeaux-Bègles a franchi un cap, il faudra le confirmer bien sûr lors des prochaines rencontres, mais gagner au Racing avec la manière sur ce score, eh bien, c'est quand même une très très grosse performance par l'Union Bordeaux-Bègles, qui, vous le voyez au classement, eh bien, talonne de près des Lyonnais qui, eux, sont un peu dans le dur. Donc c'est vrai que tout va bien du côté de l'Union Bordeaux-Bègles avec cette deuxième place et cette belle victoire. C'était un match un peu piège quand même pour l'Union Bordeaux-Bègles pour cette rencontre de top 14 calée entre deux journées de Coupe d'Europe. Donc Christophe Furios nous l'avait dit la semaine dernière ici même. Eh bien, contrat rempli par l'Union Bordeaux-Bègles qui continue de briller et de séduire. Voilà, vous allez en parler avec vos deux invités tout à l'heure. Oui, alors ce soir, on va s'intéresser un peu aux coulisses du club aussi. Alors évidemment, on va revenir sur ce match un peu fou du côté du Racing. On a plein d'images à vous montrer. Mais ce soir, on va s'intéresser à la médecine avec notamment Damien Monod. C'est le médecin officiel de l'Union Bordeaux-Bègles. Il sera avec nous justement sur ce plateau en compagnie d'Afa Amosa, le joueur international samoan qui s'est blessé à la Coupe du Monde. Alors c'est moins grave que prévu. On va voir justement, après avoir vu revu les images du match au Racing, eh bien, on va s'intéresser un peu au quotidien du club. Voilà, quel est le rôle du médecin, comment ils travaillent avec les préparateurs physiques, les kinés. Il y a toute une équipe derrière, on parle toujours du staff, il y a une équipe technique de professionnels de santé et eh bien, l'un d'entre eux sera avec nous ce soir en compagnie d'un grand joueur aussi, Afa Amosa, qui sera donc avec nous pour cette belle émission tout à l'heure. Merci beaucoup Mathieu, on vous retrouve dans Top Rugby tout à l'heure avec vos deux invités. Et puis lui n'était jamais venu dans la région. Paul McCartney sera en concert le 31 mai prochain à l'Arena de Floirac et les préventes ont ouvert aujourd'hui. Les ventes qui se poursuivent donc demain, prix des billets entre 73 et 125 euros. Vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, on va parler de cette grève qui se profile jeudi prochain. On serait avec le secrétaire général de la CGT en Gironde dans un instant.